Donc, on a vu ça il y a 3 mois. On a vu ce concept que vous êtes amené à écouter ce soir depuis 3 mois. Donc, ça fait, on a commencé le 27 janvier. On est rentré membre de ce concept et on a pas tout de suite compris le concept, mais avec un petit peu pas d'hésitation parce qu'on avait des amis qui étaient dedans déjà depuis un jour, mais elle avait fait confiance à une autre personne avant qui était dedans depuis 2 mois déjà. Donc, et elle avait déjà commencé à faire des sous. Donc, on s'est dit, ben, si on rentre dedans et qu'on travaille par rapport à ce qu'on nous a expliqué, ben, on va sûrement avoir les mêmes résultats ou un peu moins ou un peu mieux, mais c'était déjà quand même quelque chose d'intéressant. Donc, on est automatiquement entré là-dessus. Et ensuite, ben, il y a beaucoup de choses après qui se sont passées. Donc là, je connecte Emilia. OK. Donc là, pour ne plus tarder, je vais rentrer dans la présentation. Donc je vais tirer ma vidéo. Comme ça, vous êtes concentrés à ne pas me regarder, mais à regarder l'écran que je vais vous partager là. Donc, alors, why do I do the slideshow without showing the slides? Tell me where. No, it's not that. Oh, you didn't put it back. No, it has to go from the beginning. But you select on that one? OK. Donc voilà, la compagnie s'appelle CrowdOne. Donc on dit l'impossible, c'est rien. Donc impossible is nothing. Donc qu'est-ce qui se passe dans la compagnie? Donc elle existe depuis le 25 janvier 2019 à mi-novembre 2019, il y avait 750 000 membres qui étaient inscrits dans la compagnie. En janvier, 1,5 million. En fin janvier, 1,5 million. En février, passé 2 millions. Et aujourd'hui, fin avril, on est arrivé à presque 3,7 millions de membres dans le business de CrowdOne. OK? Donc, qu'est-ce qu'on est au fait? On est un 100% business mobile. Ça veut dire qu'on fait tout sur notre portable. Si vous avez un laptop aussi, vous pouvez faire sur le laptop. Mais 100% avec votre téléphone, vous avez accès à votre back office. Le back office, c'est un terme qu'on utilise. Stéphane. Oui. Tu m'entends? Oui, oui. Ben, on ne voit pas l'écran. On voit que le D. Attends. Alors, un petit coup là. Alors, pourquoi je ne vois pas l'écran? Share screen. Là, c'est mieux. Voilà, c'est bon? Oui, c'est bon maintenant. On est top. Maintenant, donc 100% mobile, comme je disais, avec toute l'application. Donc, quand on dit back office, ça veut dire tout est votre tout votre bureau en fait et votre portable. Donc, tout est quand vous enregistrez, quand vous rentrez sur votre back office, sur votre application. Automatiquement, vous avez tout ce que vous avez besoin pour gérer sur votre téléphone votre business. OK? Donc, on peut aussi vous brancher, download l'application sur votre laptop ou sur le desktop à la maison pour voir un peu en plus grand le back office. Donc, c'est peut-être plus intéressant de pouvoir lire tout ce qu'il y a à lire sur un ordinateur que de mettre sur le téléphone. Mais comme je vous dis, 100% mobile. OK? Donc, on est payé en Bitcoin ou en euros.
Alors, Bitcoin, pour ceux qui ne connaissent pas le Bitcoin, moi, je ne connaissais pas le Bitcoin. J'avais entendu vaguement parler de Bitcoin, mais ce n'était pas du tout dans mon vocabulaire. Mais le Bitcoin, c'est, vous pouvez chercher online, c'est une monnaie virtuelle qui a pris beaucoup de valeur depuis 2011, ça a commencé en 2008, en 2012, ça a commencé à vraiment pousser. Et dans les dernières années, là, c'est vraiment arrivé. C'est très fort comme currency, on va dire, comme virtual currency. Et sinon, en euros, donc, vous êtes payé. Donc, vous voyez là, sur la droite, l'application qui est en marche sur le téléphone avec la quantité de personnes qui ont rejoint derrière vous et le streamline bonus que vous êtes on. Donc, le Crowd1 utilise deux concepts. Okay? Le premier concept, c'est l'affiliation au marketing. Et le deuxième, c'est le crowd economy. L'affiliation marketing, ma femme elle chante, elle est sur, allons dire, on va dire qu'elle est super famous, elle est très connue et qu'elle a 20 000 personnes qui la suivent sur YouTube. Ok, donc quelqu'un vient la voir, lui dit ben vous savez, ben, je vois que vous avez beaucoup de membres qui sont, en fait, beaucoup de personnes qui vous like, qui vous suivent sur votre page YouTube. On voudrait faire un deal avec vous. On va proposer des produits et chaque personne qui va acheter vos produits, on va vous donner une commission. On va vous donner on va partager les profits avec vous 50-50. OK? Donc, là, c'est ce que le crowd fait. Donc, nous, le crowd, on n'a pas de produits à vendre, mais par contre, à travers les affiliations, à travers les business, des affiliations de tierces, ça veut dire d'autres compagnies qui vont se rajouter avec nous, donc utilisant notre database en tant que customer base pour pouvoir acheter ces produits-là. Donc, le crowd utilise des produits qui viennent, Internet, des produits, je perds mon mot un coup là, tout ce qui est éducation, training, betting online, gaming, tout ce genre de produits qui ne demandent pas d'être un produit physique au fait. Ok, donc ça c'est le côté affiliation. Ensuite, au niveau du crowd economy, ça veut dire qu'avec 3,5 millions de personnes qu'on a aujourd'hui, automatiquement, vous avez une économie qui se fait. Ça veut dire que les personnes, il y aura un pouvoir d'achat. Donc, c'est 3,5 millions, 3,7 millions presque qu'on est là, un pouvoir d'achat et un pouvoir de négociation. Donc, c'est ça où vient le crowd economy. OK, donc si on, par exemple, on va au supermarché, on dit on veut voir le manager. Le manager, on dit j'ai besoin des pommes de terre que vous avez là, je vais prendre 10 kilos avec vous, je veux un prix spécial. Il va dire écoutez, vous savez, c'est ça le prix, vous prenez ça, c'est tout. Hein. Donc, moi je suis chef, c'est pour ça que je parle de pommes de terre. Donc, par contre, si je relis tous les chefs de la région et j'ai dit écoutez les gars, nous, on prend les pommes de terre, on se fait marcher là, on va essayer de trouver un deal pour avoir un meilleur prix. Ok, je suis sûr que le supermarché va être intéressé à nous vendre à meilleur prix, n'est-ce pas? Donc, voilà le côté de crowd economy, comment ça fonctionne. Maintenant, je vais poser une question. Est-ce que vous saviez que le online mobile gaming est de valeur à 150 milliards de dollars et que ça va augmenter entre 10 et 15% l'année prochaine. OK? Donc, si on parle pourquoi on parle de ce côté gaming-là, c'est parce que nous, on s'affilie avec des compagnies qui gèrent les différentes plateformes de gaming et nous, on va pouvoir consommer ces produits-là et l'argent, les profits vont retourner dans le crowd. Donc, il y a aussi le côté betting. Betting, ça veut dire tout ce qui est loto, les courses. Si Liverpool, on va miser sur Liverpool 200 roupies qui va battre Manchester 5-0. Donc, vous savez quelle équipe je suis déjà. Donc,
C'était une petite blague par hasard. Et donc, il y a un profit qui va être généré de ça. Donc, qu'est-ce qui se passe quand, quand vous allez générer ces profits-là? Ça va être redistribué à travers le crowd. Maintenant, on dit, bon, très bien, ça paraît intéressant tout ça. Il y a quand même 1 billion. Le gaming industry est à 150 milliards. Le betting industry est à 500 milliards. Ça fait plus de 650 milliards qui sont générés à travers cette plateforme qui est plus fort, qui regrouper les deux ensemble sont plus forts que regrouper le cinéma et la musique ensemble. Donc, c'est quelque chose que le crowd a décidé de s'affilier avec, de rentrer dans ce concept-là pour essayer de générer de l'argent et faire un business de ça et de redistribuer cet argent à travers les gens de toute la planète en entier. Donc, qui c'est, on dit bien, très bien tout ça, mais qui c'est qui est derrière, qui roule ce gros bateau, okay, avec tant de personnes et qui vont estimer à 25 millions de personnes qui vont joindre cette compagnie jusqu'à la fin de l'année. Ah ben, Johan Stahl von Holstein est le CEO de la compagnie Impact Crowd Technology, donc alias Crowd One, qui devient aujourd'hui le CEO avec un background amazing, incroyable, avec 3 grosses compagnies qu'il a mis sur le stock market, avec un aux États-Unis, un en Allemagne et un à Stockholm en Suède. Donc, avec son package, on s'est dit, comme si en recherchant toutes nos informations, nous, avec ma femme, on s'est dit, who is this guy? Et on réalise que c'est quelqu'un qui a fait quelque chose dans sa carrière. Et aujourd'hui, ces 3 compagnies ont été listées comme des unicorns. Les unicorns, c'est si vous cherchez unicorn companies, c'est qu'ils ont fait plus de 1 milliard de dollars sur l'année quand ils sont en opération. Donc, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que Crowd One aussi veut rentrer sur le stock market et aussi veut devenir un unicorn. C'est la vision de Johan Stahl von Holstein, le CEO de Impact Crowd Technology, Crowd One. Donc, et ensuite, quand vous écoutez le gars avec tous les messages qu'il a à passer, vous voyez que c'est quelqu'un qui veut redonner au peuple. Donc, si vous allez sur le Impact Crowd Technology site, vous allez voir que il parle de redistribuer la richesse du monde à travers les plus petits pays, les pays qui sont complètement délaissés. Par exemple, on va prendre Facebook, Google, tout ça, où cet argent-là part, ça repart en Amérique, il n'y a pas de distribution, on va dire, équitable. Avec Crowd One, vous êtes rentré dans peu importe où vous êtes, dans quel pays que vous êtes, vous build up le business et cet argent retourne à travers les membres de Crowd One et dépendant où vous êtes dans la compagnie, à quel degré vous prenez au sérieux ce business-là. Alors, Crowd One est installé à Madrid, donc sous la législation de l'Union européenne. Donc, avec toutes les transparences qu'il y a pour rouler un business en Europe. Ils ont aussi dans différentes régions dans le monde, ils ont plusieurs bureaux, donc aux Philippines, en Suède, en Afrique du Sud, au Nigeria, en Colombie et au Brésil. Et jusqu'à la fin de l'année, il y aura encore plusieurs autres bureaux qui vont s'installer dans différentes parties du monde. C'est juste qu'avec COVID, il y a beaucoup de choses qui ont ralenti un petit peu, mais même ça, le crowd est en train de grandir énormément. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le 25, là, il y a quelques jours? On a eu la première online event qui a représenté plus de, je crois, 250 000 personnes étaient online en train d'écouter sur l'événement qu'il y a eu, qui a annoncé plein de choses qui se passent dans Crowd One, dans le monde entier. Et aussi, il y avait un truc qu'ils ont parlé, c'était le Impact Crowd. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que le crowd fait aujourd'hui? Disrupt l'économie en redistribuant aux personnes qui ont peu de moyens de le faire, avoir une possibilité d'avoir un business pour eux à l'échelle qu'ils veulent développer eux.
Donc ensuite, on a eu plein d'autres informations qui ont été super intéressantes pour dire que vraiment, on voit que nous, en tant que membres de CrowdOne, on sent qu'il y a une assurance au niveau de où ça va, qu'est-ce que ça peut nous amener dans le futur. Donc on sait qu'on peut pas être 100% dire ok, oui, c'est ce qui va se passer. On ne sait pas qu'il y avait Covid il y a quelques semaines de cela, mais par contre il y a des choses qui changent, on continue, on grandit et on espère, on voit la vision de CrowdOne et c'est pour ça qu'on est rentré dedans et on est super happy qu'on est rentré il y a déjà 3 mois avec beaucoup de succès déjà. Maintenant, comment on rentre dans CrowdOne? Donc, vous achetez un education package, donc un truc d'éducation qui va vous donner une éducation sur comment rouler un business, comment gérer votre argent par rapport à votre back office, comment avoir un business à vous et ne pas être dépendant d'un job. Donc, si vous regardez les informations qu'il y a dessus, vous avez education package à 99 € en white package, donc c'est le package white. Et vous avez les CrowdOne Rewards, on va parler de ça juste après, à une valeur de 100 €. Et ça peut vous amener à un streamline au niveau 4 et ensuite un matching bonus de 1 level. Donc tout ça, je vais vous expliquer un petit peu en détail là. Enfin, pas trop en détail ici pour que je ne vous perde pas. Donc ensuite, on a un autre package aussi en le black qui vaut 299 €, le gold à 799 €. Et le titanium à 2499 €. Donc, tous ces packages, c'est dépendant où vous voulez être dans la compagnie. C'est par rapport à l'argent que vous avez disponible pour rentrer membre aujourd'hui. Donc, il y a un truc que je vais re-mentionner tout à l'heure, c'est que si, à n'importe quel package que vous prenez ce soir-là, que vous rentrez dans le business, demain matin, quand vous vous réveillez, il y aura un package gratuit que vous pouvez donner à une personne qui bon vous le sent. Ça veut dire que si vous avez une tante qui a besoin d'un petit business, qui a perdu son emploi et que vous voulez l'aider, vous pouvez donner ça. Si vous voulez donner ça à votre frère ou votre soeur ou à un oncle, un papa, à la maman ou une personne ou un très bon ami qui a perdu son travail, qui dit voilà, je sais que tu vas pouvoir faire quelque chose maintenant, je veux te donner ça. Donc, mais il faut que la personne, donc ce que CrowdOne fait, à donner la possibilité à toutes les personnes jusqu'à ce soir-là. Donc, demain matin, quand ils se réveillent, s'ils sont membres déjà ce soir et demain matin, ils se réveillent, ils vont distribuer toutes les personnes à un crowd, un education package de 99 € gratuitement pour entrer dans le business. OK? Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que la compagnie veut. Donc, c'est ça qu'on vient parler de l'impact que CrowdOne veut faire sur la communauté mondiale aujourd'hui. Donc, j'ai parlé de CrowdOne Rewards. Qu'est-ce que c'est les CrowdOne Rewards? C'est un peu, on va dire, comme des actions. On n'appelle pas ça des actions parce qu'on n'est pas listé. Mais le CrowdOne Rewards, donc quand vous prenez un package de 100, de 99 €, vous avez 100 € de CrowdOne Rewards. Donc, les CrowdOne Rewards sont à 2 € aujourd'hui. Donc, vous allez recevoir 50 CrowdOne Rewards. Où ça va venir intéressant, on va en parler un peu plus devant. Mais là, il y aura une valeur de ça. Et cette valeur, comme toute compagnie que vous achetez des shares dedans, à la fin de l'année financière, vous avez des profits. Ces profits sont redivisés dans les dividendes. Et par rapport à ce que vous avez comme action, vous aurez tant de dividendes par action. Donc là, c'est pareil. Donc, on a des CrowdOne Rewards qui sont dans le même concept que ça, sauf que vous êtes payé tous les 3 mois et pas qu'à la fin de l'année. OK? Donc, comment on génère l'argent dans le network? C'est à travers Affingo. Affingo est une plateforme de jeu. Donc, eux, ils sont un agent. Ils sont un agent et ils sont un agent qui cherche les différentes plateformes de jeu. Et nous, avec étant membre de CrowdOne, on a la possibilité d'être sur la plateforme Affingo pour
jouer des jeux pour jouer online, au loto, au mahjong, enfin toutes sortes de jeux qui sont disponibles sur Afilco. Donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore disponibles, mais on est encore en phase de progrès, de développer les différentes plateformes. À Maurice, pour ceux qui sont à Maurice, on ne peut pas avoir accès avec Afilgo encore. Donc, il faudra peut-être que l'équipe mauricienne peut-être se développe un petit peu pour qu'ils puissent rentrer ici et dire, OK, Afilgo, on... Parce qu'à ce moment-là, on peut jouer au loto où on veut. Hein. C'est pas juste... on peut aller sur le site de n'importe quel site et jouer au loto mondial, peu importe où on veut. Donc, ça, c'est Afilgo. Alors, si là, ils ont launch avec le loto, le Epic Loto, que vous pouvez jouer, par exemple, si vous êtes en Afrique du Sud ou dans différents autres pays où l'accès est possible, vous pouvez jouer au loto. Donc, vous composez vos 6 numéros. Votre compte est déduit et automatiquement, si vous remportez, ben, l'argent rentre sur votre compte de CrowdOne, vous pouvez retirer éventuellement. Donc, comment ça se passe? Comment le crowd fait de l'argent? Ben, allons dire qu'il y a 3 millions de membres qui ont rejoint la compagnie et que chacun joue, on dit 50 euros par mois. Et à travers les différents sites de jeux. Donc, à Figo, il y a une commission qui se fait, un pourcentage sur Figo et sur CrowdOne. Donc, CrowdOne divise son profit, donc ça part en trois parties. Donc allons dire, on va dans l'exemple qu'il y a le profit pour justement avec Afilgo est de 18,7 millions d'euros. Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est que 20% va dans la compagnie. Donc ici ça monte 3,75 millions qui va dans la compagnie pour le running cost. Ça veut dire tout ce qui est pour développer, pour aller dans un autre pays, pour prendre d'autres staff, pour donc tout ça, hein, le running cost de la compagnie. Ensuite, 40% va dans le residual income. Donc, je vais vous expliquer ça juste après. Et ensuite, 40% va dans le CrowdOne Rewards qu'on a juste parlé avec les shares. Donc, par rapport aux shares, vous avez tous les trois mois, vous avez un dividende qui va être payé à travers ces profits. Maintenant, on a parlé de l'Epic Loto qui a déjà été lancé, avec Afilgo qui est déjà opérationnel en partie. Donc, il y a d'autres compagnies qui viennent s'affilier avec ça. Mixter est une plateforme de jeux mobile. On dit que les statistiques disent qu'une personne sur deux joue sur leur téléphone ou un jeu quelconque sur un ordinateur ou une tablette. Donc, c'est incroyable. Donc, on vient s'affilier avec donc, qu'est-ce qu'on dit? On ne dit pas, OK, maintenant, commencez à jouer. On dit, changez votre habitude de jeu. Au lieu d'aller sur un endroit où vous n'allez pas être payé, vous allez sur un site, vous allez utiliser le site de CrowdOne et vous allez jouer aux jeux qui sont sur le site pour pouvoir générer l'argent dans CrowdOne et que cet argent soit redistribué avec les personnes qui sont dans le jeu. Donc, alors nous, personnellement, on ne joue pas, mais ça ne veut pas dire que deux personnes ne jouent pas parce qu'on dit qu'une personne sur deux sont sur le... Donc, les jeux comme Candy Crush ou ça, donc c'est gratuit, mais il y a quelqu'un qui se fait de l'argent, des millions dedans. Donc, qu'est-ce qui se passe s'il y a 25 millions de personnes? Comme je l'ai dit tout à l'heure, CrowdOne pense qu'il y aura à peu près 25 millions de membres jusqu'à la fin de l'année. OK? Donc, avec 25 millions de membres, et allons dire que chaque personne utilise 4 euros par mois pour jouer sur le mobile, et qu'il y a un profit qui va générer à travers Mixter, comme on l'a dit. Donc, pareil, là, il y aura 100 millions. Dans cet exemple, 100 millions d'euros sont générés. Donc, 20% pour la compagnie, 40% dans le long-term residual income. Donc là, je veux juste vous expliquer. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas le mot long-term residual income. Alors, je vais prendre l'exemple pour arrondir une maison. Vous habitez quelque part, la maison est à vous. Okay? Soit vous avez eu ça en cadeau, vous avez eu ça vous avez acheté la maison, mais la maison, elle est payée, vous ne devez plus un sou dessus. La maison vous appartient. Okay?
Maintenant, vous avez décidé d'avoir une deuxième maison pour la louer. Donc, vous allez acheter cette maison, vous allez prendre un loan. La maison n'est pas un asset encore parce que vous la payez encore. Donc, jusqu'à un moment où vous l'avez complètement payée et que vous ne devez plus un sou sur cette deuxième maison, la maison devient un asset pour vous. Ça veut dire l'asset. Le long term residual income veut dire que cet asset que vous avez, cette deuxième maison que vous avez payée, complètement payée et vous n'avez plus un sou dessus, va vous générer de l'argent en termes de loyer. Ça veut dire que vous allez payer la personne qui va habiter dans votre maison, votre deuxième maison, va vous payer 10 000 roupies, 100 000 roupies ou 200 000 roupies, peu importe la villa ou la petite maison que vous avez. Mais vous avez payé beaucoup de millions pour faire 20 000 roupies par mois. Là, on vous demande de commencer avec quelque chose comme même pas 5 000 roupies. Okay? Donc, même pas 5 000 roupies, vous avez la possibilité de build up un long-term residual income à travers cette compagnie. Donc là, pour moi, c'était un no-brainer. Ça veut dire que je n'ai même pas besoin de réfléchir. Je n'ai pas besoin d'investir 5, 6, 7 millions, aller payer 30, 40 000 roupies par mois pour essayer d'avoir une maison que ça aussi pour y habiter ou essayer de louer cette maison dans 20 ans quand j'aurai 80 ans. Non, menti, 70, 67. Donc, et ensuite, la troisième partie. Donc, j'espère que vous avez compris le long-term residual income, comment on génère ça. Et ensuite, le crowd rewards pour chaque 3 mois. Donc là, on a parlé de Afilgo et Mixter. Crowd One a dans son portfolio beaucoup d'autres compagnies qui vont s'affilier avec Crowd One pour générer justement de l'argent et des profits. OK, donc ça n'arrête pas là. Donc on est encore en phase de grandissement. Après un an, même pas un an et demi d'activité, il y a beaucoup de personnes qui se font de l'argent déjà. Donc, comment notre bonus système? Donc, on a plusieurs différentes façons de pouvoir être payé dans la compagnie. La première, c'est comme si ben, vous partagez cette information avec des copains, avec des amis, avec la famille, avec des personnes que vous rencontrez. Et qu'est-ce qui se passe? La compagnie vous dit, ben, vous avez partagé ça. On ne va pas être comme Facebook. On va donner gratuitement. On va vous récompenser d'avoir transmis ce message, transmis ce business-là à d'autres personnes qui veulent rentrer dedans. Donc, quand vous avez référé une personne et que cette personne-là est rentrée dans le business, elle a payé son argent, elle est rentrée dedans, donc en white, black, gold ou titanium package, vous avez un bonus, un sales bonus, comme un salesman, vous avez un sales bonus de entre 18 euros et jusqu'à 900 euros. Donc, tout dépend de ce que vous avez, tout ce que la personne que vous avez référée a pris comme package. Maintenant, alors comment ça fonctionne le bonus en termes d'éducation package? C'est que le système marche avec un binary bonus. Binary B2, ça veut dire il y a une jambe à gauche, une jambe à droite, on met une personne à gauche, une personne à droite. Quand on a mis une personne à gauche, une personne à droite, on démarre le business, on commence à être payé. Donc, alors, comment ça se passe? Donc, on met une personne à gauche, une personne à droite et ça génère 90 points pour un wide package. Donc, de chaque côté, on prend les deux, on ajoute, ça fait 180 points divisé par 10 et ça donne 18 euros. 18 euros, on va diviser ça en 80% et 20%. 20% retourne dans ton business pour que tu puisses avoir plus de streamline bonus dans ton crowd one, dans tes crowd one rewards. Et les 14 euros qui vont rester, les 80% vont rentrer dans ton compte en cash, que tu peux avoir en cash. OK? Donc là, ben, le truc continue. On met plusieurs personnes et on est continué à être payé comme ça. Donc ça, c'est un ratio 1-to-1, mais on a aussi un ratio 1-to-3, 1-to-2 et 1-to-3 qui on peut se faire payer beaucoup plus facilement, beaucoup plus vite au fait. Pas facilement, plus vite. Donc une autre façon de se faire payer, c'est le matching bonus. Le matching, donc ma femme aime dire, le fait qu'elle enseigne, elle est enseignante de musique et de drama, elle dit toujours, mais pour moi, c'est matching bonus, ça veut dire un teaching bonus. Teaching bonus, pourquoi? Parce que quand vous allez
commencez à build up le business et vous allez faire les autres qui sont, que vous allez mettre dans le business, des personnes qui vont dire « Waouh, je trouve ce concept-là cool, je veux faire ça. » Et que vous allez les faire répéter ce que vous faites vous et que vous allez inciter à eux de faire répéter les autres comme ça, automatiquement, vous allez avoir un matching bonus énorme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous êtes au niveau 1, quand vous arrivez au matching bonus 1, ça veut dire que vous avez un white package au minimum. Vous avez sponsorisé 4 personnes et vous avez 10% de ces 4 personnes quand ils touchent de l'argent. Ça veut dire que moi, on dit, moi, je suis une personne, j'ai mis 4 personnes dedans, donc je suis automatiquement au matching level 1. Quand les personnes qui vont être en dessous moi, ces 4 personnes vont commencer à travailler et qu'ils auront de l'argent, ils vont être payés. Par exemple, dans le slide avant, il y avait 18 euros. Ben, moi, j'aurai 1 euro. Tes personnes-là auront 18 euros et moi, j'aurai 1,80 €. OK? Donc, si la personne est payée 100 euros, j'aurai 10 euros. Si la personne est payée 700 euros, j'aurai 70 euros. OK? Donc, comme ça. Donc, maintenant, ça finit par là. Maintenant, on passe au deuxième matching level. Ça veut dire qu'il faut que j'ai un package black. Ça veut dire qu'il faut que je grandisse dans la compagnie. Il faut que je décide de dire, OK, c'est comme si quelqu'un qui a investi dans une compagnie, sa compagnie commence à, il y a des demandes, ça commence à devenir un peu plus important, il y a plus de, il faut fournir un peu plus de produits. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois grandir, je dois prendre peut-être un local un peu plus grand. Ou alors je dois être, donc là, on vous dit, ben, vous avez réinvesti dans votre compagnie et là, il faut mettre 8 personnes pour avoir un matching level de 10% plus 10%. Ça veut dire quoi? J'ai mis 4 personnes. Les 4 personnes, eux aussi, ils ont mis 4 personnes. Qu'est-ce qui se passe là? Ça fait 16 personnes. Mais dans le deuxième niveau, il y a 4, 4, 4, 4, 4, là, les 16 de mes 4 qui sont avant là-haut. Dans ces 16-là, dans les 16 personnes de la deuxième génération, je vais aussi être payé 10% de ce qu'ils vont faire. OK? Et ça continue comme ça quand vous êtes un black. Pardon. Au niveau, quand vous avez 12 personnes, vous avez 3 niveaux down et 4 niveaux down si vous êtes un gold et vous avez 16 personnes. Et si vous êtes au matching level 5, vous avez votre package est un titanium package et vous avez 20 personnes. Et là, vous générez avec jusqu'à 10 niveaux en bas. Donc, ça, c'est super intéressant parce que ça peut représenter pour nous, sans être fier ou quoi que ce soit, juste pour vous donner une ordre, après 3 mois, on est en matching level 4. Donc, avec les personnes qui ont rejoint à travers le concept, on a eu à peu près 800 euros juste dans le matching bonus. OK? Donc, ça, c'était juste pour vous donner une indication à peu près qu'est-ce que vous pouvez avoir comme truc. Maintenant, le long-term residual income. On a parlé de ça juste avant. Donc, le long-term, allons dire dans cet exemple, il y a 1,8 million d'euros à diviser dans cette catégorie-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le barème est divisé en… Le lot est divisé en 18 sections. Ça veut dire que vous avez 18 niveaux. Ces niveaux-là sont… donc, le fait qu'il y a… sont également split. Ça veut dire qu'il y aura 1,8 divisé par 18, ça fait 100 000 euros. Donc, par rapport à où vous êtes dans la compagnie, si vous êtes au niveau 1, ben, toutes les personnes qui sont dans le niveau 1 mondialement vont partager 100 000 euros également. Si vous êtes arrivé au niveau 7, vous allez avoir ce que vous avez dans le niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6 et niveau 7 aussi. Donc, automatiquement, il y a des personnes qui travaillent dur dans le business. Ils montent de grade au niveau de leur streamline, pas streamline, de leur residual income. Donc, ils rentrent dans ça s'appelle le pool. Ils montent en importance, en level et automatiquement, ils touchent plus d'argent que les autres qui n'ont pas travaillé autant. Une autre façon encore d'avoir de l'argent, c'est vous rentrez dans la compagnie aujourd'hui et il y a automatiquement, si vous allez dans le back office, hein, sur votre application, vous allez avoir dans le fear of loss un countdown. Donc, vous avez un compte à rebours de 14 jours.
Donc, aussitôt que vous commencez, vous allez voir 13 days, 2 hours and 19 minutes. Et ça descend comme ça jusqu'à que il y a un moment donné, les 14 jours sont finis. Et qu'est-ce que vous avez pour ces 14 jours-là? Il faut que vous introduisez 4 personnes dans la compagnie à n'importe quel niveau que vous voulez. C'est white, black, gold ou titanium package. Mais si vous avez mis 4 white package, vous allez avoir 125 € en récompense. Si vous avez mis 4 titanium package, vous allez avoir 3 000 € en récompense. Maintenant, si vous avez mis 3 titanium et un white package, vous allez avoir que 125 €. OK? Donc, il faut mettre au minimum 4. Donc, vous pouvez mettre 2 gold et 2 black, mais à ce moment-là, vous allez avoir que pour 4 black. Donc, vous allez avoir 375 €. OK? Donc, ça, c'est super intéressant. Nous, on a réussi à faire ça. Il y a beaucoup de personnes qui réussissent à faire ça en quelques jours. Au fait, il y a des personnes qui ont fait ça en 2 heures. Et nous, on a fait ça. On n'était pas trop sûr au début comment le concept roulait. Il y a des personnes qui pouvaient vraiment nous expliquer. Donc, on a le dernier jour, presque dans les dernières heures qui se passait pour notre Fear of Loss, on a réussi à avoir nos 125 €. OK? Donc, une autre façon encore d'avoir un peu de sous, c'est le Streamline Bonus. Donc, on avait parlé de Crowd One Rewards. Donc, quand vous rentrez, vous payez votre argent et qu'on vous inscrit, on vous met sur le système, il y a maintenant, vous rentrez dans une queue. Donc, dans cette queue, elle grandit tous les jours entre 15 000 et 50 000 personnes qui rejoignent Crowd One tous les jours dans le monde entier. Donc, ça veut dire que après quelques heures, vous pouvez avoir 5000 personnes qui sont dans Crowd One. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que toutes les semaines, vous allez avoir des bonus que la compagnie va vous payer, 2,50 €. Et si vous montez de package, vous mettez des personnes dans le business et que vous êtes un peu plus actif, vous pouvez avoir jusqu'à 2250 € en Crowd One Rewards que éventuellement après les 3 mois peuvent vous donner un autre. Stefan, you are on mute, right? Tout le monde m'entend maintenant? Oui, on t'entend maintenant. OK. Donc, oui, on t'entend. Donc, il y avait un petit souci là. Une petite seconde. Donc, allons parler de Streamline Bonus. Donc, le Streamline, ça veut dire que vous êtes dans la queue et la compagnie grandit et vous avez... Dans le Streamline Bonus, aussitôt que vous enregistrez, on vous explique comment vous pouvez avoir plus d'argent encore dedans.
c'est un petit peu compliqué pour essayer de mettre tout ça dans la première présentation. Donc ensuite, donc, tout cet argent-là, ben, très bien, on a, bon, le compte est full max, on est en train de toucher de l'argent de toutes sortes de qualités de façon, mais comment on retire ça? Bien joli. Donc, on est affilié avec Union P, c'est aussi fort que Visa et Mastercard. Donc, en Asie, donc avec COVID, là, il y a eu un petit peu de retard. Donc, on attend dans cette année, on ne sait pas exactement quand, mais on aura chacun la possibilité d'avoir une carte pour pouvoir retirer notre argent directement de l'ATM. Il y a différentes banques à Maurice qui peuvent le faire. Vous pouvez aller à la banque, à l'ATM et retirer l'argent. Donc maintenant, si je vous dis qu'il y a des incentives, donc et, par exemple un paquebot, vous êtes sur un paquebot à la fin de l'année et vous pouvez rentrer avec tout frais payé, vous avez une croisière de 5-6 jours et tout frais payé, c'est super intéressant. Donc là, on s'est dit, ouais, je vais bosser, on va dire que ça peut être un incentive, ça peut être quelque chose que vous regardez devant et que vous vouliez atteindre. Donc, mais sinon, il y a aussi votre panier de vœux, comme on dit, bucket list en anglais, qui est les choses que j'aimerais faire. J'aimerais partir avec ma famille pour la Tour Eiffel ou j'aimerais aller en Australie, visiter l'Australie, les kangourous ou peu importe. Donc, avec l'argent que vous faites dans CrowdOne, il y a beaucoup de choses qui deviennent possibles. OK? Donc, alors, comment vous pouvez payer? C'est à travers Visa aujourd'hui. Donc, il y a Visa soon, mais vous pouvez payer directement avec Visa aujourd'hui, avec Bitcoin ou Ethereum, ou bien à travers un transfert bancaire. Ou on a une quatrième méthode aussi qui est à travers les gift codes qu'on génère. Nous, par exemple, quand vous êtes dans la compagnie un petit peu et que vous êtes payé, votre compte, votre bank account, on va dire, de CrowdOne grandit. Et là, c'est possible pour vous de générer un gift voucher que la personne, par exemple, si demain, quelqu'un me dit, OK, je veux rentrer, je dis, OK, je regarde si mon compte a de l'argent. À ce moment-là, je convertis mon argent en un package. Et ce package-là, je le donne à cette personne-là en échange d'un transfert bancaire à mon compte directement. OK? Donc, on va parler de CrowdOne Impact, donc justement avec tous les pays, surtout les pays qui sont un peu plus pauvres que les pays riches. On va dire aujourd'hui, il y a beaucoup en Afrique, c'est en train de développer, le Sud-Amérique va développer beaucoup, l'Asie va développer beaucoup aussi. Donc, c'est une possibilité pour les gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir un business pour eux. Donc, même si demain, on aime un travail, on aime le faire, dans le futur, si on n'a pas quelque chose à côté, ce sera difficile de joindre les fins de mois ou même d'avoir quelque chose en plus que ce qu'on peut avoir si on prend un travail seulement. Donc, moi, je suis chef, je ne veux pas arrêter de cuisiner. Au contraire, je veux montrer aux gens la cuisine que j'aime faire. J'aime enseigner. Mais est-ce que je peux enseigner et avoir une bonne vie? Oui, avec CrowdOne, définitivement. Donc, parce que j'aime la cuisine, je vais continuer à le faire, mais j'ai pas besoin. Je peux le faire à mon rythme et quand je veux le faire quand je veux. Donc, le CrowdOne aussi pour nous, ce qui s'est passé quand on est rentré, on a vu l'argent, on a vu que c'est financièrement, on commençait à être un peu dans la pince avec 2019 qui a été une mauvaise, on va dire une année un peu dure pour nous. 2020, on voulait quelque chose d'un peu différent, on cherchait, on est tombé sur CrowdOne et on est rentré pour faire de l'argent. Mais en faisant de l'argent, on a réalisé que pour faire de l'argent, il fallait aider les autres, il fallait partager le concept avec les gens, il fallait les instruire, il fallait les montrer, les guider et nurture. C'est comme une plante. Hein. Si on n'arrose pas une plante, on ne peut pas s'attendre à qu'elle va nous porter des fruits. Donc là, c'est pareil. Donc c'est un business que vous ne pouvez pas faire tout seul. Il faut le faire en équipe, il faut faire avec, comme si union. C'est-à-dire que
Si vous avez joué au tennis, ben très bien, mais c'est pas, on ne joue pas au tennis. Là, on joue au volleyball ou un match de foot. On est une équipe, on grandit l'équipe et on fait ça ensemble. Donc, avec le Crowd Impact, c'est la beauté de dire, ben, parce qu'un CEO, vous commencez en tant que CEO dans cette compagnie, mais vous travaillez pour une compagnie, vous êtes en bas de l'échelle, au milieu de l'échelle, peu importe où vous êtes. Mais le CEO, est-ce que le CEO va vous expliquer tout de A à Z, comment le business marche, pour que éventuellement vous ayez un coup de couteau dans son dos et que vous preniez sa place? Il va, c'est jamais. Toutes les compagnies sont structurées qu'on garde les informations pour soi. Attention qu'une autre personne nous vole notre poste. Alors que là, au contraire, là, on veut que la personne nous devance dans ces démarches, parce que la fierté de partager et de voir l'autre personne être en plein succès est vraiment formidable. C'est quand vous aidez les gens et que vous voyez qu'ils sont en train de retrouver un bonheur par rapport à un travail qu'ils ont perdu. Ils ont perdu leur emploi ou ils sont dans une position financière très difficile. Automatiquement, on voit qu'il y a beaucoup de changements autour de nous déjà qu'on a mis en 3 mois. On a vu tellement de choses qui sont positives. Donc là, on retourne sur les packages. Donc, on n'est pas là pour vous vendre rien. On est là pour vous dire, ben, il y a le white, le black, le gold, le titanium package. Dépendant de si vous voulez prendre un white package pour commencer, tâter, regarder, commencer. C'est 5 000 roupies, ce n'est pas grand-chose. C'est beaucoup d'argent pour beaucoup de personnes aujourd'hui. Mais en termes d'avoir un business pour soi qui peut vous emmener beaucoup, beaucoup d'argent, c'est rien du tout. Okay? Donc maintenant, on a parlé de streamline bonus tout à l'heure. Donc, quand vous arrivez dans le streamline et que vous commencez, il y a jusqu'à tant de personnes qui ont rejoint après vous dans le crowd et que vous êtes arrivé au niveau 20, ben, automatiquement, c'est super intéressant parce que vous avez 2 250 € de Crowd One Rewards toutes les semaines. Donc, si on convertit au RIP, ça veut dire que vous avez plus de 1 000 Crowd One Rewards par semaine qui vous rentrent dans votre compte. Donc, ça va se passer après quelques mois ou même peut-être un an de que vous êtes dans le crowd. Mais ça va arriver un jour. Donc, imaginez-vous maintenant quand la compagnie paye les dividendes sur les Crowd One Rewards et que vous avez 1 000 Crowd One Rewards et que si vous payez 1 € éventuellement dans un an, vous avez 1 000 € un seul coup tous les 3 mois. C'est incroyable. Moi, je vois ça. Je ne peux pas expliquer, mais moi, je vois comment ça va être devant et je trouve ça super. Donc maintenant, on passe à mon visage. Alors, où est mon visage? Je vais dire stop share. Et je vais me remettre là dans ma vidéo. Donc, nous, notre histoire, c'est qu'on a vu ça il y a 3 mois. On se fait de l'argent dedans. J'ai remplacé l'argent que je faisais par rapport à mon catering. Que je faisais avec Diane, elle est toujours employée à mi-temps dans une école. Donc, on s'en sort maintenant après avoir vu le concept et avoir donné un peu de temps à ce concept. Donc, ça, c'est super important. Je vais peut-être demander à Sucrier, est-ce que tu as… Can you talk a little bit, Sucrier? Did you… can you share your past experience of the last maybe 3 to 4 weeks that you've been in the business? Of course, it's very exciting and it's an honor to be here. Merci. I'm speaking not so good French, sorry. Maybe you can still get back or translate a little. Then I was actually same as you, starting with having no idea, and then when I got a call from Diane one day. I was surprised she was telling me how well is her business doing when I was just going to tell her that my son will not attend her drama class anymore. I cannot afford, I'm sorry. I have to take him out of school. I lost my jobs and yeah, no idea how to continue. And she felt so heartwarmed and felt like she needs to tell me now what she is doing. And when she shared with me, and even told me in the end she would take me in her team,
I could have the same chance than her. I was really, really, really touched. And I was so grateful because I could feel this is really the answer of my prayers. And I also know Stefan already, and I also know Diane. Before we had done many things together, but not only because I trusted her, I could feel this business is it. And I just started 3 weeks ago. Finally, I thought I will be the passive person and I will not really go quick somewhere. Maybe in 1 year, I'm half of the way like they are. Yes, it would be nice to have some little things or dividends, like 100 euro or 300 euro would be nice, right? All 3 months. But when I got in 2 days, 126 euro, I was asking Diane, what happened here? Where this money comes from? I was doubting if I see well. I said, you still need to explain me. I don't know how, but I can see now. Wow, I'm rich. I have 126 euro. And then I was surprised I got this bonus, this somehow, this bonus, fear of loss. I was even thinking if I have two members, it's already cool. Huh? I got four in 14 days. I had reached four titanium. And in the end, I don't know why I made in 3 weeks like 1,600 euro by today. I don't know what to say. It's just, I studied them and they are so wonderful, but I thought, you know, who can reach that level? But just trust me, it's too good to be true. I know, but it is. It is real. And if we can do it, how much more can you do it? So God bless you. Yeah, thank you. Thank you, Sucrier. Merci, Sucrier. Donc, elle disait que, bon, je suis sûr que tout le monde a compris l'anglais là, elle parle très bien. Mais après 3 semaines de travail, elle a commencé à s'appliquer. Elle a vu qu'il y avait, ça donnait un peu. En fait, au départ, on a l'impression que ça ne bouge pas. Mais c'est juste que c'est comme un moteur qui est un peu froid, donc ça carotte un peu au départ. Mais ensuite, aussitôt qu'on met des personnes et que les personnes commencent à partager et que commencent à comprendre. Alors nous, ce qu'on fait tous les jours, à 11h, on a un Zoom avec ma femme qui fait un peu de training. Le training, ce n'est pas training vraiment, c'est vraiment essayer de comprendre le business. Parce qu'au départ, nous, on n'avait pas ça. Donc, le fait qu'on n'avait pas ça, on trouvait que c'était difficile de comme si être dans le business et être vraiment confiant de ce que c'est. C'est quoi être Crowd One? C'est quoi être dans Crowd One? Et donc, le fait d'avoir un peu recherché, compris et lu un petit peu dans le back office, donc sur votre application, il y a plein de sujets que vous pouvez regarder, il y a plein de trucs que vous pouvez lire. Et là, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe par rapport. On a peut-être des choses qu'on ne connaît pas encore, mais on essaie de trouver. Il y a des fois, on découvre des trucs et on dit « Oh, wow, mais peut-être que ça, on le fait comme ça, ouais, ça comme ça. » Donc, c'est super intéressant. Donc, alors moi, ce que je vous suggère, c'est de retourner vers la personne qui vous a invité ce soir pour regarder cet appel Zoom et de dire « Yes, we are in, we want to make some money, on veut faire des sous. » Comment on fait ça? Comment on veut rentrer sur le training? On veut apprendre comment ça marche. Et avec un peu d'excitation, vous allez exciter d'autres personnes à rejoindre votre équipe et ensuite à grandir votre network à vous. Donc, si vous avez des questions, je voudrais bien répondre à vos questions. Donc, il y a le chat là. Si vous voulez mettre votre micro on, me poser une question ou deux. Je sais qu'on a passé l'heure déjà, donc on a passé une heure ensemble là, donc essayez de comprendre le business, sur quoi vous voulez investir. Si vous avez qui a son expérience, qui veut partager encore, ou si vous avez des questions, mais en tout cas vous retournez vers la personne qui vous a, donc même que ce soit oui ou non. C'est bon, si Sucrier m'avait conseillé de regarder ça, j'aurais dit ben ok, c'est très bien, je veux comprendre un peu plus, explique-moi, je veux tel détail, comment ça, est-ce que
Donc, il y a beaucoup de fois, il y a des personnes qui veulent comprendre un peu plus. Nous, on a réalisé que l'image qu'on avait devant nous, c'était vraiment incroyable. Donc, on est rentré et ensuite, par la suite, on a essayé de comprendre comment ça fonctionnait. Parce qu'on réalise que le plus qu'on perd en un jour, il y a des moments où j'ai pris des notes où en un jour, il y avait plus de 35 à 40 000 personnes qui rentraient mondialement. Dans le Streamline Bonus, c'est quelque chose d'énorme, ça. En 10 jours, il peut y avoir plus de 500 000 personnes. Donc, c'est incroyable. Donc, dans le Streamline, ça vous retarde encore dans le Streamline au niveau que vous pouvez arriver éventuellement après. Donc, moi, sans plus tarder, je ne vois pas quelles questions ce soir. Donc, vous pouvez nous envoyer des messages sur le groupe aussi de WhatsApp. On peut essayer de vous répondre aussi par rapport à ça, par rapport à la personne qui vous a référé ce soir. Mais n'hésitez pas, je laisse encore une minute ou deux là. Si vous avez, il n'y a pas de bonnes questions, il n'y a pas de mauvaises questions. C'est toutes les questions sont les bonnes questions. C'est juste que c'est normal qu'il y ait des choses que vous n'avez pas compris. Il y a des choses que c'est normal qu'on peut retourner vers. Il y a des choses qui sont normales qu'on ne comprend pas depuis le début. Mais comme je vous dis, en 2-3 jours, vous avez compris 80% du business. Et on est là pour vous dire, bon, voilà ce qu'il faut faire. Et quel est le next step d'avoir aussi une vision. Okay? La vision est super importante. Donc, si j'attends toujours un petit peu là, je vais disconnecter dans une ou deux minutes. Mais ce qui est important dans le concept de networking aujourd'hui, c'est d'avoir une vision. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie? Est-ce que vous voulez travailler juste pendant, si vous avez 20 ans ou 30 ans, vous voulez, allons dire, vous avez un... Comment on dit, je parle tellement anglais à la maison avec ma femme que j'oublie mon français des fois. Allons dire que j'ai un vœu. Mon vœu, c'est de faire quelque chose, OK? De faire un gros business. Maintenant, je vais employer beaucoup de personnes, ils vont venir travailler pour moi. Donc, quels sont leurs vœux à eux? Peut-être qu'ils ont des vœux, mais ils sont bloqués en tant qu'employés. Aujourd'hui, on donne la possibilité à une personne de dire, je veux faire un petit business, OK? Je veux faire un petit business, je veux avoir un peu de sous en plus pour pouvoir voyager avec ma famille. Je veux aller une fois, deux fois par an prendre des congés et partir quelque part. J'aime mon travail, j'aime ce que je fais, mais j'aurais aimé avoir un peu plus d'argent. OK, très bien. Mais c'est ce que vous faites. Vous rentrez dedans et vous mettez un peu d'effort. Et ensuite, quand on fait ça le matin avant le travail, peut-être dans le bus ou bien un petit moment le matin, on se réveille une demi-heure plus tôt, on envoie quelques messages pour dire… Et les gars, j'ai eu un super concept là. Je peux taper un coup plus tard ou pendant le déjeuner. OK, vous faites 2-3 appels, vous mettez une personne sur le Zoom et on partage le concept. Et c'est super facile. C'est super facile. Donc, et le soir, qu'est-ce qu'on fait? Pareil, on rentre à la maison. On va faire ça toute notre vie comme ça. C'est juste qu'il faut faire ça pendant un bout de temps. Mais est-ce que vous voulez travailler pendant 30 ans de 8h ou 9h jusqu'à 5h tous les jours, 5 fois ou 6 fois la semaine, ou est-ce que vous voulez travailler quelques heures en plus, garder votre travail et faire quelques heures en plus tous les jours pendant quelques temps pour éventuellement arrêter où vous voulez. Il n'y a pas de limite où vous voulez arriver, où vous arrivez, ensuite vous dites, je veux relax maintenant, je ne veux pas build up mon business. Et où vous êtes arrivé dedans. Si vous êtes arrivé manager ou coordinateur ou directeur dans la compagnie, par rapport à les différents niveaux qu'il y a dans la compagnie, vous êtes là, vous allez avoir votre residual income tous les mois. Ça veut dire que vous avez fini de payer cette deuxième maison-là et vous êtes en train d'avoir votre argent tous les mois sans faute par rapport à l'argent que Crowdbank fait en profit. Donc, sur ce, je vous laisse. J'aimerais vous voir de l'autre côté. Ça veut dire avec nous dans le business, en train de bâtir votre business, en train de bâtir votre propre autonomie financière, votre propre freedom, votre liberté financière que vous pouvez avoir dans quelques mois si vous vous appliquez un petit peu. OK, donc love to all et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Retournez vers la personne qui vous a invité, même si c'est pour dire
vous savez, je dois réfléchir un petit peu encore, ou ça m'intéresse pas, ou yes, je suis dedans. Comment je vais vous m'inscrire? Je veux avoir un package demain matin quand je me réveille. Comment je fais ça? On a la possibilité de vous inscrire en même pas 10 minutes. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, on sait le faire. On connaît comment faire ça. Donc, si vous êtes activé, on a besoin de votre argent. On met le package. Vous êtes enregistré le matin. Vous avez un free package. Free package pour la personne que vous voulez donner. Un cadeau, je ne sais pas à qui vous voulez. Nous, on a beaucoup d'amis. On doit décider jusqu'à ce soir-là avec ma femme. Parce qu'on est ensemble dedans. On a pris un package. On roule le package à deux. Et on s'est dit, ben, qui on va donner ça? Qui va nous aider à grandir notre business en même temps? Mais aussi, on peut aider une personne à démarrer son propre business à elle. Mais ce qui est important, c'est de trouver cette personne qui va vous aider à build votre business et qui veut faire quelque chose. Parce que vous n'allez pas donner ça à quelqu'un qui va dormir avec ça. Okay? Vous donnez un bout de terrain et un petit arté pour planter la plantaine des affaires, du moulin appelez mauvaise herbe, pousse là-dedans. Ah bon, donc il faut trouver cette personne qui va, même qu'elle n'a pas besoin de faire un gros business, mais au moins qu'elle va essayer de se démarrer, qu'elle est dans la pince aujourd'hui, elle a besoin d'un petit coup de main, donc voilà quelque chose. Un cadeau que vous lui faire demain. OK? Alors, si vous êtes enregistré aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir un free gift demain. Et vous avez 4 jours, donc vous avez 100 heures, donc 4 jours, pour décider qui vous allez mettre dedans. Ensuite, le gift code va disparaître de votre back office pour ne plus jamais retourner. Donc, nous, à partir de demain, là, on ne sait pas trop à qui. On a plusieurs personnes sur notre liste. Donc, on verra qui c'est qui is a lucky draw. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Christian, Mélissa, Yudhishthir, Lena, Randy et Sukriye. Good night. Bonne nuit. Salut tout le monde. Merci. Bye-bye. Allez, bye-bye. Au revoir. Bye.